Eh bien bonjour, bonsoir à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique, et nous sommes donc de retour dans notre épisode numéro 9 de notre aventure sur Bloodborne. Nous étions arrêtés juste après avoir terminé la zone du vieux Yharnam, enfin, terminé plus ou moins, il nous reste encore un petit peu de chemin à parcourir. J'étais juste revenu au rêve du chasseur, en fait, pour consommer mes âmes, donc vous pouvez voir, j'en ai un petit peu plus qu'à la fin de l'épisode précédent, tout simplement parce que j'ai consommé les échos du sang, là je sais déjà plus comment ça s'appelle, donc j'en ai plus forcément, donc je peux pas les montrer, mais les petites les âmes là, ce que j'appelle les âmes en fait, qui nous permettent de gagner plus d'échos de sang, voilà. Donc du coup, je vais level up un petit peu et non, excusez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire, ça a bugué. Oula, attends. Calme-toi. Je voudrais me redonner un peu de vitalité et d'endurance. Alors je peux prendre combien? 5 niveaux. Je vais en mettre 3 en vitalité et 2 en endu. Tac. Voilà. Je consomme tous mes échos du sang là-dedans. Dieu, brave chasseur, puissiez-vous trouver votre valeur dans le monde éveillé? Merci. Et je voulais en profiter donc pour vous montrer un petit quelque chose. Effectivement, il y a un quatrième petit bonhomme là qui s'est rajouté dans la vasque. Et en fait, j'ai remarqué, donc on a de nouvelles armes disponibles qui sont le fusil à baïonnette et l'enfonce-pieux. Et en fait, je viens de tilter que ces petits bonhommes là, ils nous permettent de racheter les armes des boss qu'on a battu précédemment, tout simplement. C'est pour ça que j'avais débloqué l'âge du chasseur juste avant, parce que c'était l'arme du père Gascogne. D'ailleurs, j'ai d'autres choses à dire à son sujet, à ce cher petit père Gascogne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bon, après, la hache de chasseur, voilà. C'est aussi une des premières armes du jeu qu'on nous propose, donc c'est aussi pour ça qu'elle est disponible assez rapidement. Vous voyez qu'il y a la silence, pardon, où est-ce que la silence qu'on avait pu ramasser dans les égouts au début de l'aventure que l'on peut acheter ici, donc ça sert à rien, débile. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'elle est vendable alors qu'on l'a déjà en stock, enfin bref, peu importe. Et donc fusil à baïonnette et enfonce-pieux, alors je les achèterai plus tard. J'avais pas envie de les acheter maintenant et de foutre mes âmes là-dedans. Je les achèterai pour les essayer et surtout pour vous les montrer, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer un maximum de choses dans ce jeu. Et donc en fait voilà, ça c'est les armes des deux chasseurs que j'ai buté dans l'épisode 8. Donc l'épisode d'avant. L'enfonce-pieux, si je dis pas de conneries, c'était l'autre du dessus avec sa Gatling là, que j'ai battu pas du tout à la loyale, voilà, et le fusil à baïonnette. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Qu'est-ce que je raconte? Peut-être dans cet épisode-là, mais plus tard, voilà ce que je veux dire. Plus tard, lorsque j'aurai ramassé suffisamment d'âmes, histoire de les acheter et d'être tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc le père Gascogne, j'avais deux ou trois choses à dire sur lui. Notamment le fait que, je viens seulement de tilter que, grâce à cette petite boîte à musique, que c'était le père, littéralement, de la gamine, de la fillette, qu'on a croisée à Yharnam, qui nous a donné cette petite boîte à musique. Et qui est donc le mari de la fameuse Viola, donc la mère de la fillette en question. Alors comment est-ce que tu le sais, Necros, allez-vous me dire? Eh bien tout simplement parce que j'ai regardé la description de ce petit objet qui est la petite boîte à musique. Et donc vous pouvez voir qu'il y est écrit petite boîte à musique offerte par une fillette de Yharnam. Elle joue une musique qu'écoutaient ses parents. À l'intérieur du couvercle se trouve un petit morceau de papier, peut-être un ancien message. Deux noms sont encore lisibles, Viola et Gascogne. Voilà. Tout simplement. C'est comme ça que j'ai compris en fait que bah, effectivement le père Gascogne c'est le père de la gamine et Viola donc était sa mère. Voilà pour ceux que ça intéresserait. Sur le coup, moi c'est vrai que ça m'a un peu mindfuck. Je me suis dit mais what the fuck, je viens de buter en fait le père de la gamine. Et deux secondes après, je vais lui annoncer que sa mère est morte. Heureusement qu'on lui a pas annoncé qu'on venait de buter son père sans aucune forme de pitié. Enfin bon bref. Ceci étant dit, j'ai plus rien à faire ici, il me semble. Donc, on va tout de suite retourner dans le vieux Yharnam et terminer cette zone une bonne fois pour toutes. Avant de retourner à,
à la cathédrale, voilà. Je ne trouvais plus les mots. Alors, Romarin, j'ai pas eu le temps de lire, c'est pas grave, silence, on sait ce que c'est. Ok, bon, bah écoutez, très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis, sur cette petite série. Perruque de chevalier, ornement rappelant une queue de cheval d'argent. Très bien. Ok, vieux Yharnam. Bon, pendant ce temps, bah, il fait de plus en plus sombre dans ce pays. Le soleil est en train de se coucher et en tout cas le ciel est vraiment pas rassurant du tout. Alors, du coup, faut qu'on redescende. Faut qu'on redescende par là. Tac. 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 Et tac. Voilà. Et on n'a plus qu'à reprendre les escaliers. Alors attends. Que je dise pas de conneries. En haut, j'étais allé voilà, ramasser ça. Il n'y a rien d'autre. Ok. Par contre, ça grimpe encore plus. Donc je serais curieux de savoir s'il y a moyen d'avancer encore. Normalement, il y a un connard dans les escaliers là. Non? Il n'y avait pas un dans les escaliers À moins que c'en était un qui était là. Ah! Ce qui me semblait! Fiole de sang et fragment de pierre de sang. Ça fait plaisir. Je vais enfin pouvoir améliorer. Non, toujours pas en fait. Non, il me faut des fragments jumeaux. Pour que je puisse améliorer en plus 4. Ceci dit, j'ai pas encore essayé les deux nouvelles armes qui sont achetables. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est de la merde cette zone. C'est bon, j'ai fini en fait. Vieux Yharnam. Oui, parce que là, on en vient, je veux dire, on a tout fait en dessous. Justement, on a fait tout le tour et on est arrivé là. Ah oui, ce qui semblait qu'il y en avait un dans les escaliers quand même. Tac, voilà, ici c'est là où il y a tous les loups. D'ailleurs, histoire de dire que... Merde. Alors, une chose aussi que je voulais préciser dans l'épisode précédent. Alors attendez, je vais juste baisser un poil le son. Voilà, pour moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que j'ai tendance vraiment à gueuler et que ça grésille. Je l'ai déjà dit, mais je m'en suis rendu compte encore dans l'épisode d'avant. Je gueule trop, en fait, tout simplement. Faut que je me calme sur ce point-là. Je voulais les farmer un peu, parce que, on va faire ça pendant que je parle. S'ils sont pas extrêmement compliqués à battre. Sauf quand ils sont deux, bien entendu. J'ai pas des... Ah, des galets. Bon, attends, il vient vers moi. Voilà. Et alors, papa? Viens voir par là. Viens voir par là. Allez, viens. Ben. Je vais essayer de le backstab, lui. Voir si c'est possible. Merde. Alors attends, ça va pas être hyper évident. Ah putain, merde, il y a ces petits copains qui se ramènent. Non, ils viennent pas jusque là. Allez, viens là, toi. Oh, ta race, quoi, je crois pas. J'ai juste pas assez d'allonge, en fait. J'ai juste pas assez d'allonge. Je teste un petit peu, en fait, là c'est le mode entraînement, chers amis. Pendant qu'on parle tranquillement. C'est assez compliqué. Ah, dommage. Ok, c'est pas grave. Voilà, faudrait qu'il fasse, voilà, cette attaque. Je viens derrière. Bam. Et bam. Un gros coup de poing dans le cul, mon gars. Je viens de te fister la gueule, je pense que t'as dû le sentir passer. Très bien. Du coup, qu'est-ce que je disais, mis à part le fait qu'il faut que j'arrête de gueuler. Oui, j'ai remarqué dans l'épisode précédent, en fait, qu'à un moment, je disais que je n'avais plus de balles. Et que ça me faisait chier, et que ça me niquait tout le gameplay. Enfin, que ça me niquait tout le gameplay. Ça m'empêchait, en fait, de faire des contres.
D'accord, donc là la balle elle est complètement passée par dessus. Là j'ai juste pas arrivé. Sauf qu'en fait j'avais oublié le principe de la flèche directionnelle haut en fait, qui me permet de sacrifier un petit peu de santé pour pouvoir me redonner 5 balles supplémentaires. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'il faudrait que je pense à faire un peu plus souvent en fait. Comme ça en fait, ça au final ça te permet d'avoir des cartouches infinies en fait, c'est complètement craqué quand tu penses. Mais voilà, toujours est-il que j'ai plus rien à foutre ici en fait. Je suis vraiment en train de me rendre compte, là j'ai tout vu. Il y a une porte là-bas au bout qui est fermée, hein. On est d'accord, je sais plus ce que ça me marquait, mais ça me disait clairement que je pouvais pas l'ouvrir. Voilà, elle ne s'ouvre pas de ce côté tout simplement. Ok, bon bah écoute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc retourner au début du vieux Yharnam là. Ça va, j'ai pas énormément de chemin à faire. Par contre, du coup, j'ai pas regardé combien de coups je pouvais donner maintenant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Putain, c'est pété. C'est pété. Maintenant que j'ai amélioré mon endurance, ça fait plaisir. Ok, j'ai pas regardé si on pouvait descendre. Non. Ok, très bien. Très bien, très bien. Non, bah écoutez, a priori, j'ai tout vu de cette zone, du moins je crois. Hein. De toute façon, à partir de maintenant, je pense que ce que je vais commencer à faire, c'est que en off, histoire de m'occuper, parce qu'à chaque fois j'ai envie de jouer au jeu, mais des fois j'ai pas forcément envie de parler, et donc du coup pas envie de commenter, et donc du coup je peux pas jouer, hein. Parce que je peux pas me filmer sans rien dire, parce que sinon ce serait un petit peu de la merde par rapport au thème principal de ma chaîne, tu vois ce que je veux dire. enfin bref. Donc du coup en fait voilà ce que je vais faire en off. Pour jouer et m'occuper un petit peu, donc ça va me permettre de farm et de m'entraîner. Je vais revisiter les zones dans lesquelles je suis déjà passé dans mes épisodes. Et je vais vraiment les fouiller à fond, essayer de voir si je retrouve pas d'autres objets, d'autres endroits que j'avais éventuellement ratés. Oula, j'ai une petite baisse de framerate. Rien de bien grave. Et donc voilà. Du coup, pourquoi est-ce que je voulais revenir à là? Faut que je retourne à la cathédrale. Parce que je vous rappelle qu'on a pris qu'un seul... Attends, où est-ce que je suis exactement là? Je me rappelle plus trop. Alors, il y a l'échelle. Tac, tac, tac. À mon avis, il va quand même falloir que soit j'y vais à pied, je me retape tous les ennemis sur le chemin, soit... Je me téléporte au rêve du chasseur. Ah non, c'est bon. Ok, normalement, je devrais y être. Enculé. Voilà. Marche plutôt bien, hein. Ça marche plutôt bien. Une fois que t'as compris comment ça fonctionne, c'est bon, hein. Les ennemis, tu leur roules dessus, quoi. Une forme de pitié. Alors attends, du coup, je suis ici, ouais, je suis dans le caveau là, je suis pas exactement là où je voudrais être en fait, mais c'est pas grave. Eh merde, je fais de la merde, c'est pas bien grave. Je suis pas exactement là où je voudrais être, mais c'est pas grave, je vais quand même, je vais y aller à pied. C'est pas hyper loin. Ça nous permet de revoir ce magnifique level design de ce jeu. Voilà. Bonjour madame. Je viens me faire le chien. Merde. Pas comme ça. Ah oui, je commence à leur faire quand même pas mal de dégâts là. Non mais d'où tu me mets le feu toi? T'es pris pour qui? Oh, c'est pas vrai. Je conçois l'idée que ça ne sert à rien sur des ennemis aussi faibles qu'eux, mais bon, c'est juste pour dire que... Là, je voudrais essayer de voir si je peux le manipuler. Eh, viens dans le feu, toi. Manipulation d'ennemis, non? Ça marche pas. Ça marchait dans les Dark Souls. Ah, ça lui fait rien. Ah, bah voilà.
Donc, même pas besoin de mettre un coup de un seul coup d'épée. Parfait. Ok, donc. Arrête les conneries. Alors normalement il y a un géant là qui est. Enfin un géant, je me comprends, c'est juste qu'ils sont complètement immenses. Voilà. Les hommes à la lanterne. Eux tu peux les backstab extrêmement facilement, bon. Enfin surtout lui. Le mec il ne bouge plus. T'as juste à bim et bam. En tout cas je dis ça, je dis rien, c'est vrai que les ceux-là ils sont. C'est de la merde hein, comme ennemi. Très franchement c'est de la merde. Par contre je les trouve super classe. Je sais pas, avec leur espèce de grande canne là, leur grand chapeau, leur grande lanterne, et leurs grands yeux. Ah, ils sont super classe, je trouve. Bon, après, c'est mon point de vue. Aïe! Ils font mal! T'as pas vu venir celle-là? Coquinou! Bien! Bon, par contre, je sais toujours pas ce que c'est que ce truc là qui apparaît. Je préfère même pas. Ah, tu crois que ce serait. Ça se trouve, c'est un espèce de portail qui nous téléporte dans une zone. Je pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas. À mon avis, ça va juste me one shot. On va essayer, écoute. What? Ah, d'accord! Qu'est-ce qui vient de se passer du coup là? Apparemment j'ai eu un debuff de folie. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Oh, le test qui va tellement tourner mal. Comment je peux voir ça? Faire une carine machin, un air. Résistance à la folie de 110. Ouais non, résistance pas longue, blablabla. Tiens, j'ai gagné une lucidité, de fuck. J'en avais que deux juste avant, on est bien d'accord? J'ai un doute du coup. Non, ça va, mes fringues ne sont pas. Non, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Si. Oula, attends, si. Non, c'est les chapeaux, je suis con. Non, j'ai rien dit. Non. Mais je ne sais pas ce que fait la folie dans ce jeu en fait, donc c'est vrai que. Je sais pas, ça se trouve, je fais moins de dégâts, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. De voir, non, 135, non. Non, non, c'est bien ça. Écoute, j'en sais rien. J'en sais rien. Alors, je réessaye. Je teste, hein. On est en mode test, hein, chers amis. On dirait une espèce de. Tu sais, deux bras qui m'enlacent. Une espèce de monstre chelou. Folie. Ouais, vous voyez. Je sais pas. Bon, j'ai pas gagné de lucidité depuis, mais enfin, entre temps, je veux dire. Par contre, c'est vraiment un truc complètement gigantesque qui me chope là. Bon, bah écoute, je sais pas. La folie apparemment m'enlève énormément de PV. Dans le doute, je vais bouffer un antidote. Voilà. Écoute, hein. On verra bien, hein. Ça se trouve, ça change, je sais pas, le comportement tient des PNJ ou des ennemis, j'en sais rien. Vous approchez pas, je connais vos attaques. Ouais, ta gueule, la vieille raciste, là. J'ai tellement envie de te foutre ma grosse. Mon gros marteau dans la gueule, là. Hein? Ah, ça me ferait tellement kiffer de faire ça. Mais je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis quand même pas un fumier de premier rang. Chasseur, cet endroit est sûr. Mais la prochaine fois que vous irez chasser. Sauf si vous trouvez des survivants sains, il n'y a rien à craindre. Ouais, non, mais d'accord, ok. Ça n'a pas changé. Très bien, cette porte, je ne peux toujours pas l'ouvrir. Bon, bah voilà. En fait, voilà, je suis revenu ici tout simplement parce que, eh ben, on n'est pas allé là. On n'est pas allé à cet endroit-là, donc, ce qui veut dire qu'on a une toute nouvelle zone à fouiller, j'y suis allé. Oui, je suis allé par là-bas. Même que j'étais monté, il y a des grandes marches, des grands escaliers là. Je suis monté tout en haut et je me suis retrouvé bloqué parce que la porte ne s'ouvrait pas ou je sais plus trop quoi. Putain, je l'avais pas vu.
Ok, mon coco. Bon, je fais pas moins de dégâts. Non, mais j'en sais rien. Je sais pas à quoi correspond la folie, écoute. Hein. J'imagine qu'on le découvrira bien assez tôt. Avoir du démon. Faudra que j'essaye du coup de bouffer pas mal de savoir de démon là pour avoir de la lucidité puis voir ce que nous vendent les autres là. Y a rien à faire ici, hein. On est d'accord. Très bien. Bon, bah écoute. Montons. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est un corbeau. Je l'avais pas vu. Je ne l'avais point vu, dis donc. Est-ce qu'il protégeait quelque chose? Non, même pas. Il est juste là pour me troll au cas où je passe devant lui, quoi. Très bien. Bon. Bonjour. Tiens, j'ai pas essayé de les contrer, eux. Eh, calme-toi, calme-toi. Regarde-le, le sportif, là. Et voilà. Tu fermes ta bouche. Le niveau de la batterie DualShock 4 est faible. Comme c'est ballot. Comme c'est ballot, comme c'est ballot. Bah écoute, si je tombe en panne de batterie, ça fait chier. Ça, par contre, il y a un truc, tu vois. Il y a un truc qu'ils ont complètement loupé sur PS4. Sur les manettes, en tout cas. C'est qu'ils nous ont fait des câbles ridiculement petits. Ce qui fait que j'ai pas un mètre de câble pour rebrancher la manette. Et bah du coup, je suis un peu emmerdé, quoi. Parce que bah, ma console est un peu un mètre bouclier en bois. Ah bah, le fameux. Ma console est à bien plus d'un mètre de moi en fait, donc fait chier quoi. Bouclier en bois alors, ça c'est le troll des devs. Ça ne sert absolument à rien. Solidité machin, ok, nerf, voilà. Ça ne sert absolument à rien. Voilà, j'ai un bouclier en bois, je suis content. Je vais essayer de parer des attaques quand même avec, pour voir ce que ça fait, mais. Je vais voir s'il n'y avait pas une attaque quand même avec. Ok. Attends, avant d'arriver au portail, là, je dois regarder. Y'a rien, y'a rien, y'a rien du tout. Très bien. Bon, bah écoute. Fermé par un mécanisme. Vous m'emmerdez, hein. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. J'ai pas un mécanisme, moi, dans le coin. Non, j'ai rien. J'ai rien du tout. Comment je fais maintenant? Hein? Est-ce que tu peux me dire? Ouais, bon. Ça m'emmerde ça. Ah, attends. Ah, mais attends, je viens de me souvenir d'un truc. Les bébêtes là, les bestioles dans le rêve du chasseur, ils nous vendent une clé. Ils nous vendent une clé qui coûte 10 000 échos du sang. Si les souvenirs sont bons. Ah putain, j'ai pas assez. J'ai rien de. Non. Non, j'en ai pas ramassé. Bien. Bah écoute, on va aller se faire un ennemi ou deux. On va voir. Peut-être, je sais pas du tout si c'est cette porte-là que ça ouvre. Mais bon, c'est une clé. Ça doit bien ouvrir une porte à un endroit ou à un autre. Allez, on va aller se faire l'autre. Du coup, je vais peut-être pas essayer. Pas déconner. Eh, tu crois qu'il y a moyen de le backstab, lui? Je suis en train de. Ce que je voulais faire. Allez, attaque-moi, putain. Non, non, apparemment non. Apparemment non. Ils sont vraiment chelous ces ennemis parce que. Putain, puis ils donnent pas beaucoup d'âme en plus. Ils sont vraiment chelous, ils sont immenses, ils sont gigantesques, t'as l'impression que tu vas en chier contre eux, puis alors qu'en fait, pas du tout, quoi. C'est de la merde. C'est juste de la putain de merde. Seul un emblème spécial ouvre la porte principale. Ah! C'est peut-être ça, parce que c'est pas considéré... Il me semble que ce qu'ils vendent, là, c'est pas considéré comme une clé, mais comme un emblème, effectivement. Un emblème... attends. Comment j'ai vu? Non, c'est objet clé, voilà. Donc ouais, non, en fait, je disais de la merde. Non, bah écoute, on va essayer, on va voir. Tout ce qu'il me faut, c'est 10 000 âmes, en fait. Enfin, 10 000 échos du sang, pardon. On devrait y arriver assez rapidement. Avec
cela. J'avais tout fouillé ici, il me semble. Pas besoin de la tirer en fait. Je voulais essayer le bouclier. J'ai tellement. Voilà. Ça, en plus de me bouffer toute mon endurance, ça me bouffe toute ma vie. Non, 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 viens là, toi. Non, j'y arriverai pas. Ta gueule! Voilà, tu te tais. À un moment, je veux dire, bon. Oh putain, mais ah, mais en fait, il donne énormément d'hommes. Enfin, énormément. 500, je veux dire, c'est pas non plus énorme. Bon. Et regarde la facilité à laquelle tu les farmes. D'accord. Je me suis pris le retour de bâton, comme on dit. Et en plus, il file des fioles de sang. Bon, c'est parfait tout ça. Parfait. Ok. Bon, du coup, m'excuserai, je suis en train de faire un peu de la merde pour l'instant sur cet épisode. Mais au moins. Je comprends pas ce. Je comprends pas ce truc. C'est plus que bizarre. Étrange, étrange, je vous avais dit étrange. Tac, donc retour au rêve du chasseur, on va aller acheter la clé, et puis on va bien voir ce qu'elle nous déverrouille. Outil de l'atelier Gemme Sanglante. Alors, voilà, médaillon du chef des chasseurs, clé du portail de la place de la grande cathédrale. Emblème en tissu, vous voyez, c'est un emblème. Parce qu'il me semblait que j'avais lu ça. Ayant jadis appartenu au capitaine des chasseurs de l'église, ouvre la porte principale menant à la place ronde de la grande cathédrale. La porte principale est verrouillée à double tour. Les nuits de chasse ne peut être ouverte de l'autre côté qu'avec cet emblème. En d'autres termes, la fin de la chasse était soumise au retour du capitaine avec l'emblème. Okay. Donc ça m'a bien l'air d'être là. Ça m'a bien l'air d'être cette porte-là. Tac, 10 000 échos du sang pour ça. Au moins, ça va nous permettre d'avancer. Du coup, ce que je vais faire en fait, vous voyez, pour me redonner des balles, crac, est-ce que ça marche deux fois? Non? Ah non, je peux le faire qu'une fois, ok, très bien. C'est pas grave. On s'en met full life. Ce qui fait que j'ai 8 balles. Faubourg de la cathédrale. Ce qui fait que j'ai 8 balles. Donc, ça fait 5 balles gratos chaque fois. Ça enlève un petit peu de vie, mais bon, ça va quoi. Puis on est rarement en manque de fioles de sang. Je crois pas avoir été en manque de fioles de sang depuis le début de l'aventure. Bien. Bien, bien, bien. On me parle sur Skype. Qui me parle? Qui me parle? Excusez-moi. Alors, je vais vérifier quand même des fois que ce soit. Non. Moi, je pense que c'est la grande porte qu'on a vue juste avant. Je vais quand même essayer celle-là, dans le doute. Ah non, on me la fait pas deux fois, mon coco, là. On ne me la fait pas deux fois. Corbeau. Si, je vais leur péter la gueule parce que j'ai absolument aucun respect pour eux. En fait, je l'ai one shot avec mon marteau. Donc ça commence à être pas mal. Ah, pas lui. Lui, je sais pas pourquoi, il a dit non. Non, tu me one shotteras pas. Bonjour, monsieur. Ah, montre-moi du doigt. Je te montre du doigt. Non, en fait, c'est pas tout ce que je voulais faire. J'ai effectivement fait de la merde. En plus, j'ai attiré son pote. Ils sont très cons, c'est pas grave. Je
Ouais, d'accord, puis en plus ça consomme en priorité. Bah tiens, 3 balles de vif argent. Ça consomme en priorité les balles que j'ai. Que je me suis rajouté. Donc bon. C'est d'autant plus mieux bien. Hein, voilà. Fermé par mécanisme. Ok, donc à mon avis elle s'ouvre tout simplement de l'autre côté. Si c'est pas cette porte là, alors là honnêtement je sais pas laquelle c'est. Ah attends, si c'est pas cette porte. Ça se trouve c'est peut-être la porte qu'on avait au début là. Au tout début du jeu. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait une petite porte au niveau du cimetière là. Comment on sait pour montrer du doigt? Je me souviens plus. Ah, je l'ai peut-être enlevé en fait. J'avais une émote qui me permettait de montrer du doigt. Voilà, c'est... C'est débile, mais moi j'aime bien ce genre de conneries. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette émote? Je l'ai enlevé. Ouah, c'est de la merde. Ah voilà, pointé vers l'avant. Ça me semblait. Voilà. Je suis content. Oui, tout à fait, je suis content. Tiens, on va jouer un peu avec le coup précis, ça fait longtemps. Beaucoup moins de dégâts. En fait, c'est à qui me fait penser ce mob là. Il me fait penser au boss géant, je veux dire, littéralement le géant qu'il y a dans Dark Souls 2. Quand on va dans les souvenirs d'en temps, là. Et on bat un géant, et en fait, il me fait penser un peu à lui au niveau du pattern, je parle. Oh, c'est oui, c'est cette porte. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Un emblème spécial ouvert la porte principale. Ah, parfait. Waouh. Juste gigantesque. D'accord, donc là, on a le mécanisme, machin. Ça sert à rien de le réactiver. D'accord, pour ça, on peut pas les péter. Ok, du coup, il y en a deux, des géants, là. Là, il y en a d'autres. Je vois pas trop. Oh putain, il y a du monde. Il y a du monde. Waouh, c'était pas prévu ça. D'accord. En plus, ça fait mal ta mère. Aïe. Tellement plus le backstab. 3 balles de vif argent, parfait. Je me disais bien, je l'ai vu au dernier moment. Je voulais foncer sur l'âme. Nécro sang épais. Parfait ça. Ok, donc c'est. Ça m'a l'air d'être encore gigantesque. En tout cas, ça fait plaisir là. On découvre enfin une nouvelle zone. Une nouvelle zone, on fait que ça en découvrir dans ce putain de jeu. Ha ha. Eh ouais, t'as l'air con mon grand. Bim. En plus je te one shot. Parce que je n'ai aucun respect. Voilà. Parce que j'ai dit que c'était le let's play de l'irrespect le plus total. Voilà, c'est pas compliqué. Poignard empoisonné. Très intéressant ça. J'avais plus de poignard justement. Tac, couteau enduit de poison. Faudra que j'essaye ça. Offrant une bestialité à court terme. Faudra que j'essaye les granulés de sang de mon monstre. D'ailleurs je vais les équiper de quoi. Tiens, les jarres d'huile, parce que de toute façon je m'en sers pas. Faudrait que j'essaye ça. Ok, du coup, où est-ce que ça nous mène? Une chose est sûre, ça nous fait descendre. Donc là on a des ennemis quelque part. Là j'en vois un. Bonjour. Eh oui, non mais t'as cru que t'allais me la faire à l'envers, toi. Ha. Bon, c'est pas ça le dicton, mais vous m'avez compris. Ah bah tiens, un PNJ. Ça faisait longtemps. Attends, je vérifie que je me fasse pas baiser. Oh, il y en a deux, même. Dis donc. Ça faisait longtemps que j'en avais pas croisé. Attends, je vérifie juste que je vais pas... Voilà. J'allais dire, je vérifie juste que je vais pas me prendre un guet-apens dans la gueule. Bam. Le poignard empoisonné. Putain, mais c'est costaud, toi.
Ah d'accord. Non, 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 attends, parce qu'il y a un mec qui me tire dessus en fait là-bas. Voilà. Oh non mais genre j'ai loupé cette esquive quoi, ça veut rien dire. C'est bon, y'en a pas d'autres? Est-ce que je peux parler tranquille ou mes PNJ? C'est des fioles. Et on file maintenant, ce sera fait. Alors, bonjour! Oh, géant, quelle odeur étrange. Je t'emmerde! Et c'est toujours mieux que la puanteur du sang des monstres. Que voulez-vous? Je ne travaille pas pendant la chasse. Si c'est pour ça que vous êtes venu, vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul. Si ça ne vous suffit pas. Revenez le matin, chérie. Et je retiens l'invitation, ma belle gourdine. Mais enfin. Je ne travaille pas pendant la chasse. Ok. D'accord. Ce qui veut dire que arrivera un moment, ce sera le matin. Probablement. J'imagine. J'espère. Je crois. J'en sais rien. D'accord. Bon, bah écoute, intéressant. Et toi, est-ce que tu veux me parler éventuellement? Vous êtes pas d'ici, vous? Un étranger venu participer à la chasse? Quelle idée pathétique. Quoi? Et tous vous faire foutre? Vous me prenez pour un monstre? Mais peut-être que moi aussi je vous prends pour un monstre. Partez de mon château! De mon château, calme-toi! Enfin, ouais, si, quoi que, en fait. Quoi, vous trouvez ça drôle? Eh bien, pas moi! Je veux rien avoir à faire avec votre. Ok. Je vais voir des fois que. D'accord. Il y a un truc qui est vraiment bizarre en fait dans ce jeu, c'est que j'ai l'impression qu'on ne voit absolument aucun PNJ. J'en ai vu qu'un seul de PNJ pour l'instant, qui était une chasseuse, si je dis pas de conneries. Il me semble bien que c'était une femme. Mais c'est à peu près tout. Putain, mais il y a des PNJ au large ici. J'entends frapper là pas loin. Tiens, putain, je m'en doutais, je m'en doutais. Je l'ai vu venir à 15 km ça. Il y a un mec couché comme ça. Et à force. Ouh, château de l'église noire. Tenue de l'église noire, monsieur. Oui, j'ai dit château, je t'emmerde, c'est bon, pas la peine de me reprendre. Donc la tenue de l'église noire, voyons voir. Chapeau de l'église noire. C'est le chapeau de Van Helsing. Ça, ouais, mon grand chirurgico, pas de l'église. Pour une femme, ça aurait été sympa. Pour un mec, c'est pas top, je trouve. Les gants, en fait, c'est les gants blancs, là, ça fait un peu tafiole. Ça fait un peu Reine Elisabeth II, si tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, non, non, bof, non, non. Pour l'instant, moi je préfère le couvre-chef, la tenue de chasseur de Yharnam et la tenue de chasseur carbonisé qui est juste super classe, je trouve. Voilà. Pour l'instant, c'est ma tenue. Peut-être pas ma tenue préférée, mais c'est la tenue que j'apprécie. Une tenue que j'apprécie beaucoup. Ah, oh, oh, nous sommes extrêmement reconnaissants. Calme-toi. Envers l'église, pour tout ce qu'ils font pour nous. Notre gratitude. Est immense, c'est sûr. Oui. Ok. Ah, oh, nous sommes envers l'église, notre gratitude. Bien, donc ils sont tous fous dans cette putain de ville. Ok, donc là, il y a un mari qui est en train de battre sa femme à mort. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. Soyez loués. Que toute cette foutue église soit louée. Et bonne chance pour la chasse, surtout. Soyez loués. Ok. Pendant ce temps, il se tape la... Ça m'a un peu rasé les poils du cul, cette histoire. Pendant ce temps, le mec, il se tape la tête contre les murs. Poignard empoisonné, très bien. J'ai l'impression que je peux pas emporter beaucoup de ces saloperies. T'as cru quoi, toi? Oh! Oh, t'as tellement eu de la chatte, mon gars! Mais non, mais vas-y, c'est de l'abus, là!
Allez, descends de ton trône. Ok, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Ils viennent pas, si ça va. Chier. Pas gâcher mes munitions pour les tocards pareil. Par contre, lui, il va me faire chier en fait. En fait, faut juste que j'aille le chercher. J'ai l'impression qu'il va me spam tant que je l'aurai pas buté. Oula! T'es plus gros que ce que j'avais cru, toi. Aïe. Voilà. Ok, il y a du monde là-haut. J'entends les bruits un peu partout en fait, donc c'est vrai que c'est pas pour me rassurer. C'est chiant parce que du coup je peux pas vraiment visiter la zone. Là je me fais attaquer dans tous les coins. C'est un petit peu compliqué à gérer, hein, si vous voulez tout savoir. Il y a rien du tout dans ces caisses là, je me fatigue à toutes les détruire, mais il y a que dalle. Bah en fait ça c'est voilà ce que je disais, ça va être le troll des développeurs, tu vois, t'auras dans une seule caisse dans un seul endroit dans ce putain de jeu, t'auras un objet à récupérer, puis ce sera un objet de merde, tu vois. Un peu comme le bouclier là. C'est vraiment du troll. Donc tu vas te fatiguer pendant tout le jeu à péter les caisses et tout, alors qu'en fait ça ne sert absolument à rien. Par contre là-bas j'ai vu qu'il y a quelque chose. Je peux y aller. Je sens épais. Par contre les ennemis peuvent venir là. Ou alors c'est juste un raccourci pour moi aussi. Ouais, un peu ça. Ah d'accord, j'avais pas vu. Je croyais que c'était une porte en fait, si j'avais mal vu. Ça me mène. Je suis paumé là. Attends, je t'ai dit attends. Y'a aucun moyen d'y aller là. Parce que l'échelle, on est d'accord qu'elle me fait grimper. Ouais, j'imagine qu'il faut se laisser tomber après. Oh, mais attends. Oh, mais c'est une entrée d'église ça. De toute façon, tout ressemble à une putain d'église ici, tu me diras. La ville entière est une église. Tac, 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 tac. Cette échelle est beaucoup trop longue. Du coup, qu'est-ce qu'il y a en dessous de moi? Donc la fameuse zone. Ici, on a une entrée avec un pont là-bas. Où est-ce qu'on se situe à peu près? Ah d'accord, ça c'est la fameuse place centrale là, dans laquelle je ne suis toujours pas allé en fait. Moi j'ai fait tout le tour au final. Ok, là on a un petit pont machin, ce qui veut peut-être dire qu'on peut y aller. J'ai vu une âme en dessous, ok. Ici je peux continuer. Parce qu'il y en a dans tous les sens en fait, donc... Alors, un veilleur de Bjargenwerth garde la porte et exige un mot de passe, l'adage secret de la grande cathédrale. Ok, et quel est ce mot de passe? J'ai entendu parler de ça, je sais plus où est-ce que j'ai lu ce truc là aussi. Wouah, c'est quoi ces escaliers de 2 km là? Ça va jusque dans la cathédrale là? L'adage secret de la grande cathédrale, okay. Et merde, toi. Il va falloir que j'aille me farcir les deux là. Ok, il y a un portail ici. Est-ce qu'il y a moyen d'accéder à l'autre portail? Peut-être par l'autre côté là-bas, je ne sais pas. Ici, il n'y a rien du tout, on est d'accord. Ouais. Et si je vais là, que je me laisse tomber, ça me donne accès à rien du tout. Ça me permet de me relaisser tomber, ça me fait accéder au toit. Et dans tous les cas, je peux accéder au... Ok. Dans tous les cas, je peux accéder à la place centrale. Okay, donc il y a des ocars ici. J'ai cru voir un... Ouais, il y a un clébard.
Et il n'y a rien d'autre sur ces toits. A priori, je ne peux rien faire d'autre. Très bien. Je peux remonter. Attends, il y a une échelle là. Donc, d'accord, j'avais pas vu l'échelle. En fait, je peux remonter par là. Très bien. Bon, écoute, c'est bon à savoir. Par contre, une fois que je descends d'ici, il y a une échelle ici aussi. Donc, je peux remonter encore une fois. Par contre, je sais pas si je peux accéder d'ici à la cathédrale. Enfin, bon, peu importe. De toute manière, je peux remonter. Donc, c'est pas bien important. Voilà. Ici on a une âme. Des nécrosants épais, très bien. Voilà qui fait plaisir. Ici on avait nos deux amiibos qui se sont barrés. Là on a le mécanisme que j'ai fait la connerie, j'aurais jamais dû l'actionner en fait parce que ça va attirer les autres. Peut-être pas. Élixir bleu. Mais quelle est cette chose étrange, dites-moi. Attends, ça vient là, non? Et ça vient carrément. Ce qui me semblait. Allez, arrête. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ah bah d'accord. Le contre n'a pas fonctionné. Oh, bonjour. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ce n'était vraiment pas nécessaire de vous déplacer. J'aurais pu venir. Oula, il y a une faucheuse là juste derrière. On va essayer d'y aller un par un parce que faut pas trop déconner non plus. Hein. Allez, viens là. Viens toi. Comme il est énervé le gaillard. Il est énervé le garçon. Sacré PV. Je vois plus rien. Putain, cette caméra. Parfait. Ok, des fioles de sang, veux-tu en voilà. J'aurais juste, avant de retourner au milieu là, j'aurais juste voir où est-ce que tout ceci mène. Je voudrais juste surtout voir ce que c'était que l'élixir bleu, sérum rendant indétectable tout corps immobile. D'accord, ouais, bon, bof. J'imagine que ça va pouvoir nous servir peut-être un peu plus tard. Il est tout seul le gaillard là. Ah d'accord, et donc ça m'amène ici, très bien, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Et tu fermes ta gueule. Tiens, qu'est-ce que what the fuck? C'est quoi ça? Attends. Déjà. Attends, parce qu'il y a des mecs là derrière, non? Il y a pas des mecs ici? Je les ai peut-être déjà butés, tu me diras. Bon, j'ai déjà dû les buter certainement. Ok, qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que appeler Henriette. Nye. La cloche du chasseur du temps jadis sonne. Ah d'accord, c'est pour appeler des PNJ. Oh, cloche capable d'entrer en résonance avec une autre cloche. Ancien chasseur Henriette est arrivé suite à la résonance de la cloche. Bonjour. La moindre des choses serait de me répondre, salope. Pas vrai ça, ancien chasseur Henriette. D'accord, donc du coup elle a mon arme. Mais c'est Henriette, c'est un homme ou une femme? On dirait une femme. Ah non, c'est une femme. Ok. Putain, c'est cool ça. Ça veut dire qu'il y a un boss pas loin ou... Ah, attends, du coup bah, je vais continuer à me balader. Vous êtes marrants les gars aussi. Elle me suit. Elle est buggée, très bien. Elle monte ou pas? Elle monte. Brune engourdissante. Commence à ramasser pas mal de nouvelles choses. Ça fait plaisir, ça veut dire qu'on avance. C'est une très bonne chose. Et du coup,
Putain, je m'en doutais. Je sais pas pourquoi, j'en étais sûr. Elle m'a attaqué, cette pute. Qu'est-ce qu'elle a fait, là? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as essayé de me foutre dans le vide, toi. Espèce de salope. C'est quoi, ce délire? Elle peut pas m'attaquer, en fait. C'est bizarre. Je comprends pas, là. Je sais pas ce qui se passe. C'est bugué, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe là, très franchement. Bon, bref, toujours est-il que je peux aller là. On est d'accord que tu peux pas me faire des dégâts, hein? Non, parce que je vois que tu sors ton arme et tout, que t'es énervé, mais. D'accord, c'est selon comment je la regarde ou. Ok, donc tu le prends mal que je te regarde comme ça, mais je veux dire, c'est pas la peine de t'énerver comme ça! Il y a un moment, bon, voilà quoi. En tout cas, elle aime pas que j'ai la même arme qu'elle, a priori, j'en sais rien, ou que je la regarde, je sais pas. Je sais pas quoi te dire, moi. Tu aurais-t-il que je peux grimper sur ces toits? Non, mais ça me perturbe, en fait, cette histoire. J'imagine que si je descends, elle va pas me suivre. J'essaie de voir, en fait, s'il y a pas un truc alternatif, ou je sais pas, j'en sais rien. De toute façon, je peux retourner sur le chemin principal. J'ai envie de te dire, advienne qui pourra. Les dégâts de chute sont tellement minimes dans ce jeu, c'est hallucinant ça. Ok, donc là y a rien. Est-ce que ça valait vraiment le coup de descendre ici? Ok, il y a une âme ici. Je suis désolé si la caméra vous donne la gerbe, mais bon, chapeau noir de messager. Alors attends, parce que j'ai ramassé un truc qui s'appelle je ne sais plus comment. Voilà, brume engourdissante, lancée pour créer un nuage de brume empêchant la régène de PV. Ah, intéressant. Ok, et donc j'ai ramassé un chapeau bah merde, j'ai pas ramassé un chapeau. Chapeau de l'église noire, bonne forme, chapeau de chasseur, capuchon noir. Bah, j'ai rêvé ou une chasseur. Torche. D'ailleurs, faut que je la rééquipe. C'est une arme peut-être, non? Ah, c'est quoi cette merde? Je comprends pas là. Carnet, nina, machin, des croissants. On est bien d'accord que j'ai vu chapeau de je sais pas quoi là. J'ai 34 fragments de pierre de sang, c'est n'importe quoi. Ah, chapeau noir de messager, il me semblait bien. Chapeau étrangement apprécié par les messagers. Ah, bah c'est pour leur. D'accord, je sais pas comment on fait en fait pour leur donner ça. Chapeau étrangement apprécié par les messagers, symbole des chasseurs préventifs de l'église de Remède. Les habitants dans la souche semblent attirés par les ornements. Pourquoi ne pas les rendre aussi heureux que des nourrissons rassasiés? Ok. Ça se trouve, c'est juste un objet qui permet de débloquer de nouveaux objets achetables chez ces petits cons. Oui, je les appelle des petits cons parce qu'ils ont une gueule de petits cons, en fait. Voilà. À quoi ressemble un petit con? Vous le demandiez. Et ben voilà, vous avez la réponse. tac. Et pour tous ceux qui sont en train de se dire ah d'accord, donc maintenant je sais à quoi tu ressembles Nécros, voilà, je vous emmerde, hein, je tiens quand même à vous le dire. Ok, les cadavres bougent, jusque là rien de bien étonnant. Ok, bon, toujours est-il que l'autre là, comment elle s'appelle déjà, Henriette, ça fait vraiment vieux de nœud. Ça fait vraiment nom de vieux. Je sais pas comment on atteint la passerelle là. Avec l'âme qui est dessus. Croissant épais. Je tourne en rond, hein, je sais, chers amis. Je suis navré. Je papillonne, comme on dit. On en est déjà à quoi, 54 minutes. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen d'atteindre la plateforme si je saute ici? J'ai 10 000 échos du sang. Ce qui n'est quand même pas dégueulasse. Est-ce que tu crois que si je saute ici, il y a moyen d'atteindre cette plateforme?
Ah, il y a moyen, hein. Je pense qu'il y a moyen. Bon, après, il y a un chemin. Je pense qu'on peut y arriver aussi autrement, mais... voire même plus facilement. Ou c'est peut-être même le seul chemin possible. Mais, vu que je suis quelqu'un de têtu, je vais quand même réessayer une deuxième fois. Hein. Je vais pas essayer trois fois, parce que j'ai pas envie de trop vous casser les couilles avec ça. Et j'ai fait de la merde. Donc, du coup, je vais réessayer une troisième fois. Hein. Si Henriette me casse pas les burnes, voilà, Henriette, dégage. Merci. Je vais réessayer une troisième fois, parce que jamais 203. Et puis, puis on va bien voir. J'étais pas loin la première fois, donc après tout... Moi, je pense que c'est quand même possible. Si je pars un peu en biais comme ça... Genre le mec, il déploie des strats et tout. Par contre, Henriette risque de me faire chier. Donc Henriette, viens par là. Reste là, m'emmerde pas. Oh mais putain, il saute pas. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle rend mon con. Mais laisse-toi glisser, bordel! Bon. Je vais aller me faire, tiens, les deux connards de... de la zone centrale, là. Avec Henriette. Putain, mais il y a beaucoup de choses à récupérer ici, je suis en train de voir. Sort du démon. Bonjour madame, excusez-moi, je ne fais que passer. Vas-y Henriette, hein. Fais-toi plaise. Sort du démon, et bah dis donc. Vas-y, 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 fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Ici on a une zone. Voilà, donc l'autre elle se fait déglinguer. Mon avis, il doit quand même y avoir un boss pas très loin. Pour que je puisse invoquer un PNJ comme ça. Ah, mais attends, je viens de remarquer un truc. Faudra que je regarde. Faudra que je regarde en œuvre. J'ai l'impression que ça me bouffe un savoir du démon en fait, le fait de l'invoquer. Et non, le B. Ah là 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 là. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen de contrer? J'ai jamais vraiment essayé. Je ne pense pas. Il est costaud lui, hein. Et 3 fioles de sang, ok. Mais putain, là ta torche elle sert à rien ici. Encore rien compris celle-là. Ok, du coup, parce que c'est une zone que j'ai quand même pas du tout fouillée ici, on est d'accord. Ici on a une âme que je n'ai pas récupérée tout simplement, parce que je peux la récupérer. C'est juste que je ne l'ai point fait. Ok. Ensuite, il n'y a rien d'autre ici. Ok, très bien. Parfait, parfait. Du coup, on a deux chemins qui s'offrent à nous. On a les grands escaliers là, à droite. Et il y a ici. Alors, est-ce que ce serait pas relié? Ah d'accord, ok, je vois où on est. Énervé. Très énervé même. Prends même tes petits copains dans le coin là, non? Fragment de pierre de sang. Attends, c'était pas des fragments de jumeaux ça? Parfait. Parfait. Ça veut dire qu'on avance. Ça fait plaisir. Pièce étincelante, bon ça, très franchement, je sais toujours pas véritablement à quoi ça sert. Et qu'est-ce que je fous là? Enfin surtout, où est-ce que je suis? Wow, 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 wow.
Ok. Eh bien écoutez, chers amis, je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. Voilà, hein, on a un plan magnifique. Je prie pour vos pauvres âmes de pêcheurs et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, chers amis, et merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Allez, bye bye.